C'est Jaguar 2.0, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, voilà. Donc vous avez vu dans le titre, j'organise mon tout premier tournoi Edit. Donc tout d'abord je compte sur vous pour partager la vidéo à fond et aller sur des lives et à dire à des gens de faire la petite pour qu'il y ait beaucoup de monde et que ça devienne un vrai challenge quoi. Donc le hashtag ça sera tout simplement le hashtag Jaguar tout dans le monde. Je ferai gagner tout simplement un skin à 2000 pour le joueur clavier souris et un skin à 2000 pour le joueur manette gagnant. Donc tout simplement on va aller dans la map et je vais vous la montrer. Donc c'est parti. Ok donc les gars c'est là qu'on spawn, voilà, donc c'est là qu'on spawn. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de décors, voilà, et tout. Et donc tout de suite on commence pour la première étape, plutôt épreuve, on va voir. Donc en gros c'est très simple, vous évitez comme ceci en L, voilà, ou alors vous allez faire ça, tout ça. C'est comme vous voulez, et vous évitez. Alors vous pouvez éditer hein, soit comme ça, soit comme ça, soit dans ce sens là hein. Moi je vous conseille dans ce sens là ou dans l'autre sens, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Donc une fois cette épreuve passée assez courte, là vous allez tout simplement éditer. Donc vous pouvez éditer sur deux, moi c'est ce que je vous conseille, et réédite ça. Donc en gros c'est la map, si vous n'avez pas mis la map de l'objet, bah regardez, c'est la dernière épreuve même. C'est voilà, c'est une montée comme ça un peu à l'envers. Étape assez originale qu'il n'y a pas dans toutes les maps, voilà. C'est tout simplement une étape où vous allez devoir faire ça tout en montant. Donc chaque escalier que vous posez, je vérifierai s'il y a bien le mur. Après si vous oubliez, je vais vous dire quand même, si jamais vous oubliez le mur là et que vous avez essayé de le placer, vous inquiétez pas, hein, ça compte, il n'y a pas de problème. Mais si par contre vous faites juste ça comme ça et que vous essayez pas d'aller chercher le mur là-bas, là par contre ça sera pas l'édit. Bon, du coup continuer comme ça, voilà, on continue jusqu'à la fin hein. Une fois que vous arrivez là, bah c'est les doubles, l'édite comme ça hein. Vous éditez la période que vous rééditez, et comme dans la map de Traki, là celle en métal, vous pouvez l'édite deux fois, voilà. Donc, continuez, voilà. Ensuite une fois arrivé ici, étape assez originale, en gros vous avez tout simplement à éditer ce côté, voilà, et donc du coup vous passez, donc voilà. L'étape assez rapide hein. Et ça vous amènera un peu de fluidité je pense. Ensuite encore une autre étape, vous allez tout simplement éditer les deux seules pyramides et rééditer ça. Voilà, vous éditez les deux, hop. Voilà, donc ensuite on arrive là. Ensuite encore une autre étape, donc celle-là c'est pas une étape où vous allez juste faire ça, non, je voulais un peu compliquer les choses, c'est-à-dire on va alterner, c'est-à-dire qu'une fois vous allez devoir rééditer une pyramide, une fois vous allez devoir rééditer comme ça. Vous voyez, donc vous éditez ça, vous éditez un escalier, ensuite vous arrivez sur ça. Ensuite encore une étape où vous allez devoir faire éditer comme ceci, voilà. En gros, c'est une étape comme ça, sauf que c'est une pyramide, et c'est assez compliqué. Enfin, ça dépend, pour les pro-éditeurs c'est pas compliqué, mais en tout cas pour moi qui suis un peu un débutant, c'est quand même assez compliqué. Ensuite une étape de shoot, vous avez tout simplement à faire là. Ensuite vous prenez votre espace 12. Alors vous avez, je pense que je vais rajouter un truc, vous n'avez pas le droit d'éditer comme ça et de tirer. Vous devez éditer par en haut. Hop, vous n'avez pas trop. Et vous tirez. Et ça, hop. Et vous rééditez. C'est très important de rééditer parce que sinon ça sera pas possible. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous arrivez ici, bah là c'est tout simplement une descente, donc avec voilà. Donc vous arrivez là. Ensuite ici vous devez bien éditer dans l'autre sens. Alors vous n'avez pas besoin de faire un comme ça. Vous pouvez juste faire ça, voilà. Ici ça. Alors ce côté là c'est un peu plus difficile. Parce qu'il faut enchaîner, c'est dur de prendre l'édit quand vous êtes honnête. Et ça sera pas valide si par exemple vous faites comme moi. Par exemple si vous passez là et vous essayez mais vous y arrivez pas. Non, il faut vraiment que vous arrêtiez et fassiez le truc, sinon ça sera pas l'édit. Pareil, moi c'est pas grave. Ensuite les murs en pierre comme ceci. Donc vous avez les murs en bois que vous éditez en L. Les murs en pierre, là il va y avoir des murs en pierre, vous devez les éditer comme ça. Vous pouvez les éditer par 6, vous pouvez les éditer tout simplement comme ça. Voilà, donc les murs en pierre. Ensuite là, les murs en bois, bah les escaliers comme ça. Ça on édite comme ça. Voilà. Hop, hop. Et là on arrive sur le chrono. Là j'ai pas fait un temps ouf. Voilà. Pardon, donc voilà. Donc ça c'était pour la map. J'espère que le concept vous plaira parce que je suis très content de pouvoir faire une map edit, voilà.
Donc voilà. Donc bah sur ce, on se retrouve à une prochaine vidéo. Je compte sur vous pour bombarder dans les commentaires GG et tout, partager et tout, voilà. Et à liker. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà. Et surtout, bah partagez si vous pouvez le plus possible la vidéo et la map, voilà. Donc le code de la map, je tiens à préciser que le code de la map sera en description, voilà. Donc sur ce, bah à une prochaine vidéo. Vraiment partagez pour que bah y ait beaucoup de monde et que bah voilà, on ait un vrai challenge, quoi. Et sur ce, bah à une prochaine vidéo, c'était Jaguar, salut. Ah oui, au fait les gars, j'ai oublié de vous préciser, donc il y aura une danse à 500 qui sera ajoutée pour ce tournoi, voilà, une danse à 500 pour les joueurs mobiles, voilà. Donc je sais que c'est un peu radin pour les joueurs mobiles, mais voilà, vu que bah il y a déjà un bon cash prize pour clavier souris et tout, je suis désolé pour les joueurs mobiles, mais voilà, comme ça, bah si les joueurs mobiles voulaient, au début j'avais l'intention de confondre manette et mobile, mais je me suis dit bon. Si vous voulez faire si en fait c'est à vous de voir. Si vous dites dans votre titre World Record manette mais que vous êtes mobile, tu vois, je vais compter comme ça, vous voyez. Mais si par exemple vous faites un World Record si vous faites un World Record donc si vous faites un World Record tout simplement mobile, vous allez vous faites moins bien que quelqu'un manette, vous serez, si vous êtes le premier des mobiles, vous aurez quand même une danse à 500, voilà. Donc en gros c'est ça, c'est mettez World Record mobile, vous serez compris comme les manettes, mais le meilleur joueur mobile, voilà, le meilleur joueur mobile aura une danse à 500. Et sauf s'il gagne, voilà, il est plus fort que les manettes et il fait un meilleur truc que le record manette et voilà, il remportera ce qu'il a dit. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce et à une prochaine fois, salut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.